J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour les calendriers de l'Avent en ce jour numéro 13, donc 13 décembre. Donc je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi ça va, c'était tranquille aujourd'hui. J'ai pu terminer mon album, donc je vous ferai la vidéo demain. Et je vous montrerai la couverture de cet album. Donc on va commencer par FDECO. Donc le numéro 13. Qui est là? Hop. Donc la petite pochette. Alors, je dirais une encre. Ouais. Alors. Donc c'est une... Il me semble que c'est une peinture. J'essaie de vous l'ouvrir. Une poudre. C'est une poudre... Il faudrait que je fasse un test. Et c'est très joli, on reste toujours dans le doré. Donc ils disent que c'est une poudre, donc Magic Paint. Qu'apparemment c'est une poudre qui se transforme comme une peinture en fait. Donc pour les fonds, ça doit être sympa. Donc hâte de tester tout ça. Donc ça, c'était pour FDECO. Ensuite, celui de Scrap Didi. Hop. Donc, la pochette. Alors, Dookie, dès qu'il voit un carton, petit, grand, moyen. Mais là-dedans, tu ne pourras pas rentrer, Dookie. Là, oui. Tu dis bonjour? Hop. Tu dis bonjour à tout le monde? Bonjour tout le monde. Ah. Regarde. Coucou. Coucou, c'est moi. Alors, je dirais un tampon. Alors, ouais. Donc, c'est un tampon nid d'abeille pour les fonds. Et il est vraiment trop, trop beau. Donc, il fait 5 cm sur 3,9. C'est trop trop bien. Donc voilà, comme d'habitude, c'est toujours top ces petites découvertes. Donc à présent, je vais vous montrer l'album. Donc je vais juste vous montrer la couverture. Et puis je vous ferai la vidéo demain. Et je vous expliquerai un petit peu ce que j'ai utilisé. Donc voilà. Donc je suis trop 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 contente. C'est fait avec la collection que je vous avais montrée, donc le set complet de Noël que j'avais eu à Pickwick.
et j'ai utilisé un bloc de Noël de chez Action. Donc je vous expliquerai tout ça en vidéo. Donc je ferai la présentation demain. À la lumière du jour, ça va mieux rendre. Là, il fait sombre. Mais voilà, il est assez complet. Donc hâte de vous le présenter. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez déjà de la couverture, mais elle sera mieux demain à la lumière du jour. Donc voilà pour aujourd'hui. Donc j'ai passé la plupart de mon temps sur cet album, donc je suis vraiment trop contente puisque j'arrive à faire les albums en un temps record, j'ai envie de vous dire. Donc quand je vais reprendre le travail, ça sera un autre rythme, mais j'essaierai de faire le maximum de choses le soir et puis à la lumière du jour faire tout ce qui est déco, assemblage des papiers. Je pourrais faire le soir, mais je trouve que la lumière n'est pas pareille. Je ne sais pas comment vous faites vous pour scraper, si vous préférez à la lumière du jour ou le soir, mais moi tout ce qui est déco je préfère, c'est beaucoup mieux. Donc voilà, donc demain je vous fais la vidéo de mon album et puis voir peut-être pour en entamer un autre. Je vais voir si je peux vous faire un album avec une... essayer de faire un autre type d'album, donc j'espère que ça va vous plaire. Moi je vous fais d'énormes bisous, scrapez bien et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.